Satchiné Alagbi, Dijon confirme sa convocation en sélection nationale. Le chômage n'existe plus aujourd'hui. Avec un portable Android et une connexion, me parler de chômage. Coucou, salut, salut, comment tu vas? Prends ta formation YouTube avec moi. Tu pourras bien sûr faire des contenus YouTube jusqu'à aboutir à la monétisation des vidéos par-ci par-là. Et tu pourras être payé par YouTube à la fin de chaque mois. Ou bien si tu travailles déjà quelque part, tu pourras avoir bien sûr des revenus complémentaires. Si tu as déjà une chaîne YouTube et tu veux de visibilité par rapport à cette chaîne, tu veux monétiser, bien sûr cette chaîne-là paramétrera tout ce que tu veux. On est en promotion actuellement, les prix sont fracassés, divisés. Donc prends bien sûr ta promotion avec moi. Tu pourras vivre bien sûr de ta chaîne YouTube. Satchiné Alagbi, que nous appelons affectueusement le chat, est retenu pour le match Bénin-Mozambique dans le cadre de la 6e journée des qualificatifs de la CAN Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Son club, le DFCO Dijon Football, a rendu publique l'information sur son site officiel. Il faut être en forme pour finalement joué, Satchiné. Donc, ce qui est là, c'est que Dijon a rendu publique cette information et on avait déjà balancé une vidéo ici sur la chaîne comme quoi on vous a expliqué un peu pourquoi la liste de gagnants trop tard a sorti les blessures par là, les baisses de forme, les temps de jeu et tout et tout. Et bon, on avait avancé que Satchiné Alagbi était un peu blessé, il avait eu un petit bobo. La confirmation a eu lieu. Guénotro n'est pas un petit entraîneur. C'est sûr que Satchiné Alagbi est à 100% pour pouvoir défendre les couleurs de la sélection nationale. Sinon, il ne serait pas appelé, bien sûr, dans cette liste. D'autant que la liste sera sortie dans quelques heures. C'est aujourd'hui, jeudi, que Guénotro va nous balancer cette liste tant attendue parce que les listes sont déjà en train de sortir dans les pays, même en Côte d'Ivoire. Partout les listes sortent. Guénotro n'est pas un petit coach. La preuve, ici, vous voyez, Guénotro, il a déniché de talent. Il est un chasseur de talent. Celui qu'il a lancé, bien sûr, il a lancé Victor Osimhen. Celui qui, bien sûr, a proposé encore. C'est lui, Guénotro, qui a proposé Ndidi. C'est lui qui a amené Chukwueze en sélection nigériane, bien sûr, dénicheur de talent, de très jeune talent. Un entraîneur expatrié qui a accorder beaucoup d'attention à notre championnat, c'est-à-dire le championnat béninois, celui qui croit à la jeunesse et aux joueurs de la Ligue Pro. Vous voyez, Guénotro, c'est celui qui a mis Rachid Moumouni, Dodo Doku, Imran Hassan en confiance. Sans doute, ce monsieur nous proposera une bonne liste et bon, qui nous permettra de prendre notre ticket pour la CAN Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vivement que cette liste puisse sortir aujourd'hui parce que la liste des Guépards du Bénin est attendue comme les résultats du bac baccalauréat, bien sûr. Ouais. Donc, on a la Guépard est bel et bien convoqué parce que son club l'a rendu déjà public. Vous voyez. Et avant de publier une liste, il faut solliciter l'appel au sein du club du joueur. Donc, c'est ce qui a été fait et Dijon a rendu public cette liste. Et ce qui nous fait mal toujours, on ne cessera jamais de le dire, c'est que Satchiné Alagbi n'est pas titulaire de l'autre côté de Dijon. Et bon, ça nous gêne un peu parce que c'est notre gardien phare et c'est lui notre titulaire. Donc voilà une première confirmation, un premier nom qui est déjà sorti par rapport à la liste de Guénotro. Donnez votre avis par rapport à cela. On revient tout de suite pour un nouveau flash.